C'est désormais une tradition, pendant toute la durée du festival, dans la galerie Le Garage à Ramatuelle, une exposition photo offre de revenir sur les plus belles images des éditions précédentes. Cette année, Cyril Bruno, le photographe et l'œil du festival, a choisi pour thème les coussins rouges emblématiques. L'idée du thème, c'était, je sais pas, ça m'est venu comme ça, les coussins rouges, je trouve que ça symbolise vraiment Ramatuelle, c'est vraiment... l'expression de la joie du public, les comédiens gardent parfois des coussins en souvenir parce que c'est un moment privilégié dans Ramatuelle, ce lancer de coussins. Quand ils sont lancés, on a l'impression de pétales de roses, de confettis, de coquelicots, enfin, ça rappelle beaucoup de choses. C'est visuellement très 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 beau à chaque fois, cette scène remplie de coussins, ces coussins qui volent en l'air, c'est graphiquement magique. D'une photo à l'autre, des coussins rouges qui tracent en pointillés l'histoire du festival. Je vois ces photos avec énormément d'émotion, je les connais toutes bien évidemment, mais de les voir toutes rassemblées autour des coussins rouges, c'est extrêmement émouvant. Et puis il y a cette photo avec Albert Raffel et Jean-Claude qui remonte à quelques années là maintenant. Ça me secoue même beaucoup et je suis très reconnaissante à Cyril d'avoir eu l'idée. Qu'est-ce qu'on peut faire cette année? C'est toujours un problème de savoir qu'est-ce qu'on expose, parce que d'année en année les choses changent. On peut exposer les photos de chaque année du festival, mais le symbole du coussin rouge était très fort. Et puis ensuite, et surtout, je veux dire, Jean-Marc Fichot, qui m'a quand même accompagné pendant 25 ans, c'est une grande majorité de ses photos, et qui se marie fort bien avec Cyril. On a fait quelque chose d'original, il y a 28 ans. Les coussins rouges sont une marque déposée du festival de Ramatuelle. Je sais que dans bien des endroits, on a essayé d'imiter les coussins. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est Gérard Holz qui commente un match de tennis à Roland-Garros. Je ne sais plus qui a gagné le match et qui dit « Et si seulement il y avait les coussins rouges de Ramatuelle ?» Vous avez un petit coup de cœur, une ou des photos que vous aimez particulièrement ? Alors, il y en a plusieurs que j'aime pour des raisons différentes. Il y en a une que j'aime bien qui est un moment où le Mistral souffle et les coussins que les ouvreuses ont installés s'envolent. Et là, ça crée quelque chose de très joli. Et c'est en même temps très dur à photographier parce que ça dure 2 secondes et il faut réagir au bon moment. Donc quand j'ai vu que j'avais réussi à avoir ce moment, j'étais très content. Donc ça, c'est pour cette raison que j'aime bien cette photo. Une autre qui est celle de concert de Christophe Maé où je crois que j'ai jamais vu autant de coussins lancés en si peu de temps. Et on a l'impression d'un flou ininterrompu de coussins qui volaient en l'air, et c'était un moment très très beau après un concert où il a complètement enflammé le public.